Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live au Sniper, et cette fois-ci, Call of Duty 4. Ça fait un moment qu'on me le demande, ça fait un moment que j'ai pas fait de Call of Duty 4, mais je sais pas, j'ai complètement délaissé ce jeu-là qui est vraiment magnifique, le meilleur Call of, le Call of Duty, référence pour tous ceux qui n'ont pas connu Code 4, dépêchez-vous, avant qu'il soit trop tard, franchement. Alors, il y a pas mal de gens qui vont dire, oui, mais malheureusement, sur PS3, on peut plus jouer en ligne sur Code 4, c'est faux, vous pouvez jouer. La technique est simple, vous allez lancer votre jeu, la console est éteinte, déconnectez tout d'internet, le câble Ethernet, le Wi-Fi, déconnectez tout. Voilà, vous laissez la console, déconnectez internet, vous lancez le jeu. Et là, ça va se lancer. Une fois que le jeu est lancé, vous pouvez reconnecter sur Internet. Et là, vous allez jouer en ligne. Si vous êtes connecté à Internet alors que vous lancez le jeu, ça va écrire « Erreur fatale ». Et là, boum, « Erreur fatale ». Tu peux rien faire. Je sais pas d'où ça vient. Bon, les développeurs, on n'a rien à foutre. Donc, jusque-là, bon, de toute façon, Code 4, ça date. Hein. Mais bon, le problème, c'est que comme il y a peu de gens, enfin pas tout le monde connaît la technique forcément, où les gens lâchent l'affaire en disant oh, ça marche pas, allez vas-y fuck, je vais aller sur un autre Call of ou un autre jeu, et bah y a pas beaucoup de monde en ligne, il faut aller sur Xbox, voilà c'est le seul moyen, Xbox ou PC, pour jouer à Code 4, et l'avantage, oui et non, sur Code 4, c'est à dire que quand on va jouer en zone de, j'allais dire zone de largage, waouh, ça serait stylé, hein. Mais quand on va jouer sur Code 4, généralement ça va être en guerre de territoire, et c'est quasiment full sniper lobby, voilà, énormément de snipers, donc pour ceux qui aiment les snipers lobby, allez sur Code 4 en guerre des territoires, vous allez vraiment vous faire plaisir, énormément de snipers, le niveau est très très élevé, franchement ça fait un moment que j'ai pas joué sur Code 4, j'ai jamais été trop à fond sur ce jeu là, parce qu'à chaque fois j'essaie de suivre un peu la tendance du dernier Call of, et la plupart des gens qui sont sur Code 4 sont des gens qui sont sur Code 4 depuis la sortie du jeu, je peux vous garantir qu'il y a un niveau de malade mental, donc je vais vraisemblablement me faire défoncer, mais bon l'important c'est de se faire plaisir, et ça peut s'entendre assez se faire défoncer pourtant. Bref. Voilà, on va jouer un petit peu à Code 4 F6, ça m'est demandé c'est énormément de fois, donc je me suis dit allez, quand même, un petit pour se faire plaisir. Alors match à mort. Oh, allez, on va peut-être match à mort histoire de chauffer un peu, voir un peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a des gens ou pas. Donpour, c'est pas forcément la meilleure map. Mais bon, allez, on va voir ce que c'est, ce que ça donne, s'il y a des gens en tout cas. Et s'il n'y a personne, de toute façon, tu vas en guerre de territoire, t'es sûr qu'il y a du monde, il y a beaucoup de snipes, mais mon problème, c'est que comme je suis pas trop chaud sur... tu vois, je suis pas trop un chaud de la bite sur Code 4 au snipe, j'aime bien y jouer, c'est vraiment kiffant, c'est... Comme je vous ai dit, c'est franchement le meilleur Call of. Quand tu regardes ce Call of-là, c'est parfait. Pas besoin de tous les détails, tous les trucs, non. Simplicité et efficacité, voilà, c'est tout, on n'en parle plus. À vouloir faire des trucs, au bout d'un moment, ils gâchent. L'origine, Code 4, enfin Code 4, Modern Warfare, premier du nom, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Call of Duty est populaire. Enfin, c'est une des raisons. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que Modern Warfare 2 a quand même joué grand rôle, puisque c'est le Call of qui s'est le plus vendu. Mais en tout état de cause, voilà, ça fait partie des bases, la simplicité. Vouloir mettre plus, c'est bien pour le grand public, mais pour les origines, c'est vrai que ça déplaît un petit peu. Mais bon, allez là. On a Code 4. Hey, nique sa mère, nous on l'a Code 4, tu vois. Ah ouais, par contre là. Voilà, comme je disais, je suis pas vraiment. Je sais pas ce qu'ils tentent de faire. Je suis pas vraiment un chaud de la bite sur Code 4. J'ai pas joué énormément ces derniers temps, surtout. Et j'ai pas joué surtout dans la période où tous les standards ont augmenté, tout le niveau ont augmenté. Te montre pas surtout, parce que là je reste à t'attendre, donc s'il te plaît, merci. Attends quoi? Ah ouais. Dommage. Donc du coup, c'est vrai que j'ai loupé un gros coche et forcément, dès que tu tombes sur des mecs qui sont chauds de la bite, voilà, tu te fais enculer, quoi. Tiens, il y a un petit E40. Je suis sûr il y a le viseur à coque, voilà. C'est vrai que tout le monde utilise le viseur à coque quasiment sur Code 4. Bon, c'est vrai que le viseur à coque est quand même génial. En plus, il y a quand même un mythe. Il y a quasiment aucun hit marker avec le viseur à coque. Voilà, franchement. Dommage, hein. J'ai voulu niquer celui qui était au loin parce que je me suis dit sinon après. Tiens, je vais prendre le viseur à coque d'ailleurs. Allez hop. Je vais ramasser par terre. Ah putain, arrêtez avec vos flashs. Ça, c'est un petit atout qui protégerait des flashs quand même. Je dis pas non. Hein. Je ne dirais pas non, mais bon. Ah merde, bien joué. Un peu plus rapide que moi. Ah, c'est même pas lui qui m'a tué, c'est l'autre sniper. Ah bon, alors tu vas voir.
Bon, là, du coup, j'ai pris la coque. C'est effectivement. Dans un sens, je préfère toujours jouer avec le viseur régulier, le viseur normal. J'ai toujours eu une petite préférence pour ce viseur-là. Parce que pour moi, c'est ce qui. À part la mire, forcément, bah oui. Ah, t'imagines gamme 40 à 3 à la mire, putain, qu'est-ce que ça serait beau. Mais bon, comme de toute façon, Code 4, c'est le viseur à coque qui est quand même le roi. Alors là, bon, j'ai tapé avec marqueur, mais bon, j'ai tiré à travers le mur, donc c'est un peu normal. Oups. Oh, merde. Bon, allez, hop. Et vous avez vu que les spawns sont parfaits sur ce jeu-là, tu vois. Pas spawn chelou, genre tu respawns derrière l'ennemi ou il respawn devant toi ou quoi. Non. Chacun dans son camp, voilà, boum boum, on respawn bien où il faut. Merde. Oh là là, oubliez ça, vous avez rien vu. Oh, c'était laid, hein. Oh, j'ai essayé le petit noscope. Ah, les noscopes, ils passent bien sur ce jeu. Hein. Putain, ça fait plaisir, hein, aussi. Hein. Par contre, là, on se fait un petit peu bloquer dans le spawn. Ça serait bien que ça tourne. Merde, putain, il y avait du monde en plus. Ah bah voilà, ça a tourné. Et du coup, je voulais pas que ça tourne, parce que j'avais chopé le spawn, mais bon. Effectivement, ils sont rentrés peut-être un peu loin. Allez. Il y a des fois, à trop vouloir viser, on... Ça, c'est un problème que j'ai souvent. À trop vouloir viser, on en perd en précision, alors que simplement, le quickscope suffit bien souvent. Voilà. Du coup... Je sais pas pourquoi. Des fois, tu tires comme ça. Tu sais pas pourquoi, mais tu le fais. Par contre, j'ai des alliés. Ah ouais. J'en ai, mais ils servent pas à grand chose. Merde. Alors ça, c'est pareil. Comme j'utilise toujours... J'ai pris le viseur à coque juste parce que je veux... Bah, faire comme tout le monde, tu vois. Je veux un peu faire... Non, mais c'est comme... Comme je sais qu'il est bien. Et puis, bah, comme tous ceux qui jouent disent qu'il est vraiment bien. Mais j'ai jamais, quasiment jamais joué au viseur à coque. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'hitmarker quasiment. Hein. Putain. Là, dans tous les Call of, là où, à l'endroit où j'ai tiré, j'aurais tapé un hitmarker. Hein. Oh là là, mais c'est pas vrai. Putain, je sais que je suis pas très bon au viseur à coque, mais quand même. Il y a un minimum, quoi. Ah, des feuilles comme ça fait trop plaisir, mon pote. Ah ouais, il y a des petits boons et tout. Ça, c'était frais, je m'en souviens maintenant. Bah, arrête, je vais tirer dessus, mec. Ouais, vas-y. Je t'ai pris un petit peu, là, en guet-apens. Et là, sans que ce jeu-là, je me souviens, il y avait les boons. Les boons, c'est quand tu sautes sur un endroit de la map vraiment très précis et qui te fait sauter, voilà, tout simplement. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, c'est super logique, mais tout le monde ne sait pas. Franchement, donc c'est pour ça que j'explique un petit peu, des fois. Tout le monde ne sait pas, et, bon, et sinon, je parle d'un truc, on va me le demander par commentaire, autant que je le dise tout de suite, comme ça, au moins, les gens se poseront pas la question. Par contre, j'en ai un petit peu marre de tomber sur une équipe qui sert strictement à rien, qui passe son temps au fond de map, et je me retrouve toujours tout seul face à tout le monde. Oh, mais va niquer ta mère, toi, putain, mais... Voilà. Va en match privé pour faire ça, mec, hein. sans blague, hein. Ouais, parce que du coup, à chaque fois, je me retrouve tout seul face à tout le monde et attends, je sais plus où donner de la tête, moi. Alors déjà que je gère pas trop la fougère, bon, c'est la première partie, hein, laissez-moi un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Hein. Alors bon, je sais que tous les pros Code 4, les gros joueurs Code 4 vont rigoler, hein. J'ai pas de niveau sur Code 4 par rapport à tous ceux qui jouent régulièrement et beaucoup sur Code 4, effectivement, moi j'en ai pas, je rivalise pas par rapport à ça. Attends, mais le mec, il a une avance de fils de pute, c'est pas possible. Vas-y, je me barre, parce que là, c'est... Les mecs, ils restent fond de map. Qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi tu fais ça? Me remets pas dans la même, par contre, s'il te plaît. Bon, les matchs à mort, hein, y a pas le choix. Ça me trouve pas de partie en guerre, étonnamment. Franchement, je suis super étonné, j'aurais cru trouver des parties en guerre. Mais c'est parti, allez, match à mort sur District. Vu qu'il y a pas de partie en guerre, ça me trouve rien. Vraiment très, très étonné de ça. D'habitude, il y en a, mais... Tiens, toi, t'es mort. Je crois qu'il y a un mec qui tire là, mais personne va le chercher. Je
m'en charge, les copains. Oula, avec son martyr là, vieux paysan de merde là. Et merde. 1, 2, 3, grenade. Ah, ça n'a rien fait. Bing. Oula, tiens, je vais tirer là. Ah, bien vu. J'adore les armes qu'il y a sur ce jeu quand même. La AK-47 est magnifique. La M16 est magnifique. Ouais, dommage. Bon, merde alors. Ils ont un problème avec leur connexion, eux, en face, hein. Ah, merde, j'ai le airstrike. Moi, je prends pas les couilles. Je vais pas lancer que ça, hein. Quoique, on est en train de perdre. Allez, un petit noscope, là. Putain. Ah, ils passent bien, généralement, les noscopes sur Code 4. J'essaye d'en placer un, quand même, ça serait sympa. Ouais, ouais, putain. Allez, Pin-Pin! Oula! Je sais pas dans quelle position il était, lui. C'était assez. Peu classique, j'ai envie de dire. Bon, bah, heureusement que ça joue quand même relativement bien en match à mort. Parce que, comme. Normalement, bah, c'est mieux d'aller en guerre. Mais comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de partie en guerre. Je comprends pas. Enfin, j'en ai trouvé une, mais. Ça a une connexion européenne. Parce que j'ai que deux barres et ça lag à mort. Donc, vas-y. Je préfère largement faire un petit match à mort comme ça. Où ça joue plutôt correctement. Merde, ils ont un hélico. Alors, on va essayer de faire le tour. Je suis sûr qu'il y a des mecs là. Ah putain, je le savais en plus, hein. Je le sentais bien, les coquins, qu'il y avait du monde dans l'espace, mais. Alors, attends, ça va où maintenant? Ah. Bon, allez, de toute façon, on a perdu. Ouais. Faudrait que j'arrive à débloquer l'hélico quand même au cas où, histoire de contrer un peu ça. Ah, merde! Bon, une partie moyenne, malheureusement je suis arrivé en cours, j'aurais peut-être pu faire mieux que ça, mais bon finalement, tu vois, même arrivant en cours, bah, je suis arrivé premier, hein. Ça, ça fait plaisir, on peut pas dire de toi, Okam, hein, que tu branles rien. Allez, Bog. Ouais, Bog, j'aime pas, je vais voter, hein. Je préfère une autre map. Allez, votez-moi ça. Ça serait bien qu'on tombe sur... une autre map, tout simplement, voilà. Il y en a tellement des bonnes maps quand même sur Code 4. Mais Bog, ouais, encore ça peut aller. Mais celle-là, si je fais Bog, je vais la faire au viseur normal. Je vais pas la faire au viseur à coque, parce que c'est vrai qu'avec les distances qu'il y a, et vu que je suis pas trop entraîné avec le viseur à coque, je vais préférer la précision. Ouais, de toute façon, ça a voté, donc ta gueule. Ah, Showdown! Ah, ça, c'est une bonne map aussi. Hein. Le pré-shoot de Showdown, il y a des trucs de malade mental, de... putain d'imaginables qui se sont passés sur cette map-là, des clips absolument phénoménales. Je me souviens, je crois, le meilleur clip qui a été mis sur cette map-là, c'est en recherche et destruction, où le mec, il est arrivé dans le couloir, je crois qu'il a fait une collate, et en recherche et destruction, et après, il arrive, il se tourne, il fait quad. Quad noscope ou un truc comme ça, un truc venu de nulle part. Oh, c'était à l'époque un truc vraiment... c'est toujours aujourd'hui, tu fais ça, mon pote, t'es un dieu vivant. Allez, go. Allez, que tout le monde aille dans le couloir. Une petite triple, au moins, ça ferait plaisir. Il n'y a qu'un mec.
Bon, du coup, cette map-là, ouais, je vais garder la coque. Ça me permettra de m'entraîner. C'est vrai que bah, je suis pas super doué avec la coque. Malheureusement, j'ai pas trop joué. Je joue généralement plus régulière. Mais ça, je l'ai déjà dit, je crois. Je me répète. Hein, il radote, le vieux. Hein, il se répète. Ah, d'accord. D'accord. Ah ouais, 1970, ouais, comme tes techniques de jeu, quoi. Alors, à peu près. C'est pas terrible, hein, de jouer comme ça. Moi, je comprends pas les mecs qui vont sur les vieux Call of et qui jouent leur life, là. Bon, allez, on va arriver dans le couloir. Putain. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'as pas un snipe, l'art suisse, là? Enculé. Ils sont où? Il y en a un là. Ils sont où, les autres? J'ai entendu un mec tomber, hein. Ah, 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 ah. Bingo! C'était l'autre encore, là. 1970, bah oui. L'autre campus de merde là. Putain, mais. C'est quoi les mecs là-haut? C'est quoi votre délire? Arrêtez, hein. On dirait des mecs qui voudraient aller sur la map. Ce qui est un peu con parce que si tu débloques l'hélico derrière, ils sont tous butés donc. Et merde, putain! C'est un peu la honte là ce que j'ai fait. Oh putain, il y avait moyen. Je suis où là? Ah ouais, je suis là. Allez, go, go, go. What? L'autre encore 1970, il va être dans le coin là, en train de campouiller. Ouais, tiens, regarde. Je l'avais pas annoncé, hein. Non, non, non. Ah putain, encore là! Et il a une insertion tactique, c'est pas possible, mec! Ah merde, foiré. Allez, allez. Ouh, y'a du monde. Ouh, là, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils branlent, ces types, semble-là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Franchement, là, je sais pas ce qu'ils font, mais... Alors, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Bah, l'autre là, Yossarian là. Bon, lui c'est quand même le campeur. Hein. Merde. Voilà, hein. Je savais que t'étais là, mon pote. Hein. Cherche pas, hein. T'es cramé. Hein. 1970. Allez, alignez-vous. Putain. Oh, bien vu. Mais mec, ils sont côte à côte là. Alors là, je pense que ceux qui jouent à Code 4 régulièrement vont me dire, ouais mais attends, ils étaient en train de faire ça, c'est cramé et tout. Mais moi, je sais pas du tout ce qu'ils font. Enfin, s'ils font un truc en particulier, ils savent pas le faire en tout cas. Hein. Je peux le dire parce qu'ils arrivent pas. Ils sont pas très doués. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un drone.
Bon, je pense qu'ils vont être là-haut. En tout cas, il y a l'air d'avoir du monde. Ah, putain, l'autre s'est barré. Ouha! Bon, je sais pas ce qui branlait les mecs, mais en tout cas, je m'en bats les couilles. Moi, je suis là pour m'amuser, c'est un jeu vidéo, je suis là pour me faire plaisir. Et puis, bah, sur le coup, ça a été sympa. Franchement, bon, il y a avoir 2-3 guignols, je sais pas ce qui branlait. Yas qui a pris quand même le jeu très au sérieux, lui. Hein. 1970, lui, il était à fond. Hein. Mais non, mais bon, bah, écoute, c'était amusant. Cassez-vous, parce que, bon, finalement, ça gâche un peu le jeu aussi. Même si ça m'empêche pas de m'amuser, hein, moi je m'en bats les couilles, hein, faites ce que vous voulez les mecs. Hein. Du moment qu'ils me font pas chier, c'est tout l'important. Bon bah voilà, malheureusement, le petit live sur Code 4 est terminé, j'arrive pas à trouver une partie. Ils me donnent toujours la même sur En Match à Mort, où la partie est vraiment rincée, malheureusement. Bah l'autre, s'il pouvait aller se barrer un peu, ça rendrait service. Mais bon voilà, et puis en guerre de territoire, malheureusement, je trouve pas de partie. Alors c'est vraiment super étonnant, parce qu'au moment où je fais la vidéo, c'est samedi soir, et c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Parce que samedi soir, je me dis, ouais, j'ai trouvé du monde, et finalement, personne. Donc un petit peu déçu là-dessus, j'aurais voulu faire un peu plus, mais au moins, voilà, c'est un petit début, c'est un petit retour un peu bref sur Code 4, j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire ce petit retour, même si c'est un petit peu rageant de pas trouver de partie, mais bon, on n'a pas le choix, le jeu est assez vieux maintenant, donc on est un petit peu dépendant du bon vouloir des gens qui y vont, et bah il n'y a pas grand chose ce soir, donc peut-être une prochaine fois. Enfin en tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion par rapport à ça, vos commentaires. Est-ce que vous voulez plus de Code 4? Si oui, dites-le, parce que c'est vrai que des fois j'y pense pas forcément à y aller, et je sens pas forcément, enfin ça dépend de la motivation et ce qui, si vous en avez envie. Donc si vous en avez envie, bah, faites le savoir, comme ça j'essaierai de trouver des moments où il y en a un peu plus, ou même à la limite faire un petit best-of, ou essayer d'aller chercher une partie si j'en trouve pas d'autres. Après je fais un peu un best, plusieurs gameplays de plusieurs jeux différents, pour au moins faire un gameplay, un live un peu plus long. Alors, on verra, on essaiera de trouver un petit peu comment ça se passe, mais n'hésitez pas à donner vos opinions et vos suggestions par rapport à ça. Petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense, bien évidemment, vous le savez. Et en tout cas, bah, je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, vacances, tout. En tout cas, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.